Que faut-il penser de la collaboration entre Swatch et Blancpain? Je suis avec Théo de la chaîne Le Calibre. Merci à toi. Merci pour l'invitation, Clément. Avec plaisir. Et justement, aujourd'hui, on va débriefer ensemble de cette collaboration qui vient tout juste d'être présentée. C'est vrai que l'on n'a vu que des photos, mais on va réagir à chaud, voilà, et on va vous donner notre avis sur cette collaboration. Effectivement, donc les montres seront disponibles, il y aura 5 montres pour les 5 océans et sera disponible ce dimanche, je crois, le 9. Exactement. C'est dimanche 9, il me semble. Et samedi 9. Samedi 9, donc sera disponible samedi dans les boutiques Swatch, dans une centaine de boutiques à peu près. Exactement. Donc déjà, toi, qu'as-tu pensé de cette collaboration, Clément? Perso, j'ai été vraiment bluffé, enfin vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à ce que la collab soit aussi réussie. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a une évolution sur la qualité par rapport à l'ancienne collab avec les Omega, les Moonswatch. Et alors tout d'abord, il y a un mouvement mécanique. Donc ça, c'est génial parce que Jean-Claude Beaver avait dit « Blancpain ne fera jamais de mouvement à quartz et n'en fera jamais ». Depuis 1735, il n'existe pas de Blancpain à quartz, point. Et il n'y en aura jamais. Ouais. Donc là, ça y est, il n'y a toujours pas de mouvement à quartz. Donc mouvement mécanique, ils ont respecté ça. Il y a une lunette rotative, il me semble, 120 clics. Donc ça, tout ça, c'est des petits détails supplémentaires qui vont faire que, d'entrée de jeu, la montre semble beaucoup plus qualitative que la Moonswatch. Donc ça, c'est bien. Déjà. Et puis, au moment de la sortie entre la collab avec Omega, il faut rappeler que le Swatch Group détient la marque Omega, Blancpain et la marque Swatch. C'est pour ça qu'il y a des collaborations entre ces différentes marques. Donc, avec Omega, avec les Moonswatch, on avait exploré les planètes. Maintenant, on explore les 5 océans. C'est si bien dit. C'est si bien dit. Et même tout ce qui est mouvement, tout ce qui est détail, mais j'ai trouvé ça vraiment très cool. Toi, je sais pas. Exact. Alors, du coup, pour parler des 5 océans, on a rapidement, j'ai pris des notes parce que ça vient de sortir. Ouais. On a la Arctique qui est la rouge. On a la Pacifique avec une date. Il y a 3 montres date. C'est la Pacifique date noire et dorée, la Atlantique en bleu, la Indienne en vert et noir. Et il y a 2 autres montres qu'on peut mettre un petit peu à part, qui n'ont pas de date, mais qui ont aussi un petit détail très sympa. Exactement. C'est la Arctique qui est la rouge et qui a le logo à 18h, le No Radiation. Donc petite, qui est super sympa. Voilà, très j'adore. Sympa. Ça fait penser forcément à l'historique de la 50 Fathom avec ce fameux logo que les amateurs forcément. En fait, c'est comme sur la Moonswatch, ils ont mis quelques petits détails pour vraiment les passionner aussi. Donc ça parle à tout le monde. Et il y a également l'Antarctique qui n'a, elle, pas non plus de date, mais qui a l'indicateur de contact avec l'eau et qui est, elle, la blanche et grise. Donc c'est génial. Ouais, non, franchement, très belle collab, surtout qu'on fête les 70 ans de la 50 Fathom. Exactement. Qui était la toute première montre de plongée, quelques mois avant la Submariner. Exactement. Comme quoi. Donc, j'avoue, on ne les a pas encore vues en vrai, mais quand on voit le design et même toutes les caractéristiques, bon, on reste toujours sur des montres en biocéramique, qui est ce mélange de céramique et d'huile d'orissin, comme sur les Moonswatch. C'est ça. Moi, j'avoue, le ce qui me fait peur est en filet de pêche recyclé aussi. Ça, c'est pas mal. Exactement. Ça va aller rechercher. Et j'ai l'impression que le bracelet a l'air de se changer beaucoup plus facilement que sur les Moonswatch. Okay. Donc, j'ai l'impression qu'on peut changer les straps comme on le souhaite. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Assez facilement, ouais. D'ailleurs, moi, ce qui me fait peur, tu vois, c'est une montre de plongée en biocéramique. C'est un peu, je comprends. Après, donc cette montre, elle est étanche à 91 mètres, soit précisément 300 pieds, soit 50 Fathom, 50 brasses. Donc, il y a quand même le lien. Après, bon, je pense que même si elle est étanche à 91 mètres, on va pas s'amuser à aller. Voilà. Surtout que, il me semble que la norme de plongée, la norme ISO, il me semble que c'est 100 mètres, même si tout le monde recommande 200. Oui. Donc là, on a 10 mètres de moins. Bon, bref, après, ça reste déjà très bien. Voilà, donc on est sur un 42,3 mm de diamètre. C'est ça, alors 42,3, je m'étais noté également, 14,4 d'épaisseur. Franchement, les proportions sont top. Alors, proportions top, moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. 48 de corne à corne, je suis pas forcément d'accord avec toi puisque, alors sur la Moonswatch, même si elle était, il y avait un bon diamètre, ça allait parce que c'était une montre légère, etc. Et elle était très fine. Ici, 14,4 d'épaisseur,
c'est quand même un peu épais. Et en fait, ce qui est cool sur ce genre de collab Swatch, Fit, Omega, Fit, Blancpain, etc., c'est justement le fait que tout le monde puisse les porter, qu'elles soient légères et fines. Et là, bon, c'est une montre mécanique, donc je comprends bien la complexité derrière. Mais 14-4, c'est quand même un peu épais. Et je pense que les jeunes auront un petit peu plus de mal à la porter. Je vois moins un enfant de 16-17 ans qui se l'achète avec le papa. Enfin, si, ça va se faire comme sur la Moonswatch. Mais en tout cas, ça va faire un petit steak quand même sur le poignet. Donc ça, c'est un peu un point négatif pour moi. Bah, je pense aussi que la montre va moins cartonner que la collaboration. Forcément. Parce que mais c'est vrai que le bah déjà la collaboration était sortie de nulle part, donc ils sont arrivés comme ça et ça a surpris tout le monde. Exactement. Donc, je pense il y aura moins d'effervescence sur la Moonswatch. Ça a tellement été n'importe quoi, ouais, que là à mon avis il va y avoir moins de gens qui vont s'attendre à vraiment la voir en boutique. Je pense que les queues seront moindres. Alors on rappelle un pareil, c'est une édition non limitée, une montre par personne. Et il y a une centaine de boutiques, donc voilà. Mais je pense qu'il y aura moins de monde que parce que sur la Moonswatch c'était tellement incroyable. Ouais non, c'était. Bah j'étais parti à la boutique des Champs-Élysées juste pour voir la queue. Mm-hmm. Et c'est vrai que elle faisait, je crois, plus d'un kilomètre. Donc c'était quand même assez fou. Donc mais c'était vachement impressionnant en fait, mais de voir autant d'engouement en fait pour une Swatch. Exactement. Et ça, c'est cool. Et en fait, ça permet de mettre l'accent sur l'horlogerie de manière générale et aussi sur certaines marques. Enfin, mais je sais pas toi, mais tu vois, mais cette collab m'a donné envie d'aller dans une boutique Blancpain, tu vois. Ouais. Bah, c'est vrai que ça, c'est le but, c'est que ça met des coups de projecteur sur les marques. Et ouais, ça, c'est génial parce que je pense que même si Omega, c'était connu de tous, en fait, les gens, quand ils se sont réveillés un jour, qu'ils ont vu des queues de 1 km et qu'ils se sont dit, mais vous faites la queue pour aller chez Swatch. Ils n'ont pas compris et ils se sont remis à rechercher un peu sur internet, Omega, Swatch, etc., etc. Enfin, on a vu les volumes qui étaient énormes, les trafics des sites internet ont beaucoup pris, etc. Et en fait, ça permet aussi de réintéresser une clientèle qui n'est pas forcément dans l'horlogerie, à les remettre un peu dans le chemin. Ouais. Donc, c'est assez malin de la part de Swatch. D'autant plus que là, c'est vraiment bien fait. Sur mes notes, j'ai mis du coup cadran fumé, impression laser sur le fond de boîte, donc fond transparent avec vert saphir. Il y a de la super luminosa. Vert saphir. Exactement, c'est ce que dit le site internet. Donc ça coche quand même pas mal de cases. 90 heures de réserve de marche. Et pour un prix de 390 euros. Exactement. Donc franchement, j'avais un avis plus critique sur la Moonswatch. Mmh. Je pense que toi aussi. En fait, moi, le truc, c'est que la Moonswatch, on peut pas s'empêcher aussi, puisque maintenant, là, on parle de la marque telle quelle, de la sortie telle quelle. Mmh. Mais il faut pas aussi oublier que aujourd'hui, Swatch a toujours du mal à livrer les Moonswatch. Et en fait, c'est vrai, en plus lancer de la production. Alors déjà, Swatch avait du mal à livrer les Moonswatch. Ensuite, ils ont fait un peu leur truc avec les aiguilles fraises, les aiguilles bananes. Oui, bon, ça c'était un peu trop. Je ne sais quoi. Voilà. Donc déjà, livrer les premiers modèles. Et après, peut-être faites d'autres trucs. Alors là, bon, il y avait le coche des 70 ans pour la 50 Blancpain, donc mais c'est vrai que ça collait parfaitement. C'est ça. On n'allait pas faire ça l'année prochaine, quoi. Exactement. Mais du coup, il y a quand même du pour, il y a du moins, il y a du contre. Donc, ouais. Donc à voir ce que ça donne. Franchement, très belle collab. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette collaboration entre Swatch et Blancpain. Et si vous comptez vous en procurer une également. Et quelle couleur ? Et quelle de quelle couleur ? D'ailleurs, quelle est ta préférée ? Moi, je dirais que c'est la noire. Je dirais que la noire et bleue, c'est ça ? Ouais, la bleue. C'est vrai que la bleue est très très belle. Moi, j'aime beaucoup la bleue. J'aime bien la rouge pour le No Radiation, mais uniquement pour le No Radiation. Et j'aime beaucoup la grise. Putain. Et t'as les mêmes ? Ouais. Moi, ça serait plutôt, tu vois, genre la rouge en premier, la bleue et la grise. Ok. D'abord rouge. Ouais. Et ben, on va faire la queue. Allez. Rendez-vous le 9. Je fais plus la queue, Swatch. Je fais plus la queue, c'est terminé. Fini. C'est fini. Bah, merci Théo. Et puis, n'hésitez pas à aller suivre Théo sur sa chaîne. Je mets le lien dans la description. Et puis, bombardez les commentaires, les likes. Et on vous dit à la prochaine. Salut.